Bonjour à tous, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de BlackBerry, le colosse des télécoms qui a façonné l'ère numérique avant de traverser des tempêtes. Ensemble, explorons les racines, les triomphes, les épreuves et la métamorphose de cette icône. C'est parti. Alors, fondée en 1984 sous le nom de Research in Motion RIM par Mike Lazaridis et Doug Craigin, deux brillants esprits issus de l'université de Waterloo au cœur du Canada. Cette alliance fut renforcée en 1992 avec l'arrivée de Jim Balsillie qui apporta son soutien financier mais aussi commercial. Alors ces pionniers ont jeté les bases de ce qui allait devenir une référence mondiale dans le secteur de la mobilité professionnelle parce que BlackBerry était essentiellement tourné vers les professionnels. Le choix du nom BlackBerry n'est pas anodin, évoquant les claviers parsemés des touches rappelant des grains de mur. Il symbolise l'élégance et l'efficacité. Plus qu'un nom, BlackBerry devient une empreinte dans l'univers technologique, un symbole d'innovation et d'accessibilité. Avec le nouveau millénaire, BlackBerry déferle sur le marché avec une audace technologique sans précédent. Ces dispositifs, véritables bijoux de messagerie mobile, s'imposent rapidement comme les indispensables des professionnels. Le Pearl, le Curve, le Bold, ces noms résonnent comme les étendards de la domination de BlackBerry dans le cercle restreint des smartphones d'affaires. C'est clairement la référence dans le milieu professionnel. Aucune autre marque pouvait rivaliser face à ce géant. Cependant, même avec une position ultra dominante, il y a une tempête que BlackBerry n'a pas vu venir. L'avènement de l'iPhone en 2007 et l'ascension d'Android annoncent le début des turbulences pour BlackBerry. La réponse de l'entreprise, le Storm, marque sa première incursion dans le monde du tactile. Cependant, la transition s'avère complexe et BlackBerry peine à naviguer dans les eaux tumultueuses d'un marché en pleine mutation, avide d'interfaces tactiles et d'écosystèmes d'applications ouverts. Alors, sous l'égide de John Chen depuis 2013, BlackBerry entame une profonde transformation, se repositionnant sur les logiciels et la cybersécurité. Cette réorientation stratégique signifie un retrait progressif du secteur du hardware pour embrasser les solutions logicielles à destination des entreprises et des administrations. Alors BlackBerry esquisse ainsi les contours d'un avenir où la sécurité et la connectivité tiennent le premier rôle dans un monde numérique en constante évolution. Mais vous aurez remarqué qu'il reste toujours tourné vers les professionnels. L'Odyssée de BlackBerry nous enseigne la résilience face à des mutations technologiques et aux caprices du marché. Aujourd'hui, en se réinventant autour des logiciels et de la sécurité, BlackBerry aspire à reconquérir un trône dans l'arène technologique, fort de son héritage, et tourné vers l'avenir. Voilà, c'était l'histoire de BlackBerry depuis ses prémices révolutionnaires jusqu'à sa quête de renaissance en tant que phare de la sécurité numérique. Alors, pensez-vous que BlackBerry puisse retrouver son lustre d'antan dans cette nouvelle ère? Vos réflexions sont les bienvenues en commentaire. Si cette incursion dans l'épopée de BlackBerry vous a captivé, n'oubliez pas le like, le partage et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations tech. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de la tech. C'était Stéphane. Salut.